Stéphane, s'il peut me rejoindre, je ne sais plus où il est. Il est là. Donc bonjour à tous. I'm lost if I'm to speak in English or in French. So what is so maybe I will start in English. Sorry for you. No, first I'm like I said yesterday in Paris. I'm very happy to again this year the commitment of Systematic for the organization of the Open Road Forum. It's very important for us. It's a key element of our mission. So I would like to thank again, if they are not with us, but Jean-Louis Misica and Jean-Paul Planchou. They are very stable in the time, and it's very important to have this continuous support when we try to have this type of event. And before I forget, and not sure that I will have the opportunity, I would like also to thank Sabrina and her team for this organization. Maybe we could analyze this. So, very in few words, why Systematic Cluster is involved in this event and basically in open source activities. So, we just launched this year the new strategy for the cluster. And it's very because due to the size of this cluster, it's very difficult to explain what we are doing inside. Even the name of Systematic is not really obvious to understand. So basically, our activity is around software intensive system, where we target major economic, human, and societal challenge. So we are addressing smart city. We are addressing transportation with all the challenge regarding automation, railway, mobility management. We are addressing challenge around energy, the new smart grid as a first step, but energy efficiency. We are addressing a very important new challenge is advanced manufacturing tools. In France, we suffer from a very old industry plant and we need really to reinvent it. We are addressing also all the items regarding security. We will have a lot of activity application using digital infrastructure, so it's very important to take care about security, to take care about digital identification, cyber security. Healthcare is also an important component of our strategy regarding e-healthcare, regarding medical device, medical engineering. There is right now, with big data, with the opportunity in different systems to address a new informative system. So the informative system are really under a big change. So for the community and specifically for an agile community, it's an important target. We are addressing also telecommunication, the cloud dimension, the Internet of Things, which is really the way to change all the elements for the city, for education, for administration, etc. And on the core of this big orientation, we have some technology. And basically, this technology are around software, digital technology, which include embedded system, digital infrastructure, modeling, simulation, high-performance computing, digital trust, big data, and open source. And it's where, in fact, is a key element of the strategy. We need to have agility, flexibility, and a big pull for innovation, and it's a characteristic of the open source community today. In fact, several years ago, it was an opportunity through open source to have a sort of independent approach, or sometimes to be outside the proprietary model, which was a request from by some customer. But today, the key asset and the key forces for the open source community is agility, really, to innovate due to the size and the flexibility. In addition to that, when, for example, we address some building block for avionic, etc., the professionalization of the different items. So we see that we have a component regarding quality. All these elements give confidence in this strategy. So
My next, I don't have the switch, so my next slide is to just to share with you that systematics is with the Open World Forum since the beginning in the 70s. So you have the picture with the first involvement of systematics for the Open World Forum. And I will call Stéphane Fermiger, in addition to be the vice president of the Open World Forum, is also the chairman of the group, what we call the group thematic for the open source activities, where in fact we tried first through a collaborative research and development project to develop innovative projects, and we have a lot of projects in this segment. We promote also free software, not only to here today, but also inside the big company, and it's also an important evolution for this community. We enhance the development of innovative free software in different places. The key element is the community management, so bring together ecosystem player, not only active player, but sometimes people which are looking what is done in this community to implement step by step open source in their product, and stimulate free software industry, and also to have a safe place to grow year after year. So I will give the floor to Stéphane. He will explain to you where we are in terms of achievement, but more importantly, what we want to do in our strategic plan regarding the open source community, and you will see some common point with what you will have to learn today and these days during the Open World Forum. Thank you. Merci Jean-Luc. Donc le groupe thématique logiciel libre, à l'heure actuelle, c'est 112 membres, avec une majorité de PME, des start-up, des jeunes entreprises innovantes, qui existent depuis maintenant 6 ans, et qui a permis l'éclosion de 33 projets de R&D collaboratifs, qui représentent un investissement qu'on peut quand même considérer comme colossal, de 140 millions d'euros sur 6 ans. Bon, notre objectif, bien sûr, c'est de continuer à faire croître cet écosystème, d'arriver à 150-200 membres dans les années à venir, et de continuer à sortir des nouveaux projets. Mais ces nouveaux projets, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire de l'innovation et de la R&D, ça me vise à amener des produits sur le marché, ça me vise à faire grossir les PME et à les amener à la taille des ETI, ça vise à mettre en commun les ressources des laboratoires de recherche avec les entreprises, faire du transfert et également faire collaborer des petites entreprises et des grands groupes qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble. Transparent suivant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a identifié trois axes, trois grands défis, trois axes stratégiques pour notre stratégie à l'horizon 2020. L'after PC, ou ce qu'on va appeler en anglais le post-PC computing, simplement sur la constatation que tous les 10-15 ans, on a un changement de paradigme majeur dans le monde de l'informatique. On est passé du mainframe au mini, au client-serveur, au PC, au web, au mobile. Alors en ce moment, on est évidemment sur la révolution du mobile, et très bientôt, on voit déjà les prémices de la révolution des objets connectés. Quelques chiffres, on parle pour 2013 de 900 millions d'activations d'objets de terminaux Android. Donc c'est un chiffre qui est absolument hallucinant, et Android, comme vous le savez tous, il y a énormément, pour ne pas dire une très grande majorité, de logiciels libres dedans. On parle de 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020, à l'horizon 2020. Donc c'est des chiffres absolument colossaux. Quels sont les atouts du logiciel libre? Eh bien, bien sûr, la standardisation autour d'HTML5 avec sa composante mobile, dont on va d'ailleurs parler à l'une des sessions de l'Open World Forum. Les OS embarqués, Linux, bien sûr, qui est présent dans Android, mais également quelques autres. Les middleware, les outils de développement. Et puis le dernier point, c'est le cloud. Hein, le cloud, parce que tous ces objets connectés, en général, ils sont connectés au cloud. Et sur le cloud, on sait que 95% des serveurs de chez Amazon, par exemple, sont des serveurs sous Linux. Donc le libre est omniprésent sous le cloud. Alors, deuxième grand thème, c'est le big data. On en parle énormément. Il y a différentes technologies. On va en parler à l'Open World Forum très largement pour le stockage, pour le traitement, pour l'analyse, pour la visualisation des données.
presque tout ça est fait majoritairement en open source. Pourquoi ? Parce que l'open source a permis de changer, là encore, de paradigme ou d'échelle quand on passe de gros serveurs extrêmement coûteux avec des composants, enfin, énormément de RAM, etc., qui coûtent très cher à produire, et qu'on passe à un nouveau paradigme où on a plein de serveurs très bon marché distribués. C'est exactement ce qu'a fait Google, qui maintenant a plus d'un million de serveurs dans le monde. On voit que le logiciel libre a été fondamental en termes d'accélérateur d'innovation, capacité pour les gens les plus brillants de connecter ensemble ces serveurs et de créer des nouveaux services sur ces machines. Eh bien, le big data, c'est essentiellement cette transition de phase où on passe d'un paradigme avec des serveurs bien, bien gros, bien costauds, avec du traitement beaucoup plus distribué et où on arrive à traiter beaucoup plus de données et donc créer une nouvelle économie. Parce qu'il y a bien sûr les enjeux technologiques, mais il y a aussi derrière les enjeux économiques, les enjeux de valorisation des données. Et puis enfin, l'open data, dont on parlait tout à l'heure, et qui est bien sûr lié aussi à ces sujets. Alors, troisième sujet, la qualité logicielle. Qualité logicielle, ça veut dire faire du logiciel avec moins de bugs. Évidemment, tout le monde sait qu'on se plaint régulièrement qu'il y a trop de bugs dans les logiciels qu'on utilise. Ça veut dire aussi faire du logiciel plus vite, donc être plus compétitif. Et ça veut dire faire face à la complexité sans cesse croissante des systèmes qui sont développés compte tenu de la loi de Moore et de tout ce qui fait que nos matériels sont de plus en plus puissants. Donc il y a des enjeux de type test, de type preuve de programme, de type agilité, de type traçabilité du code. Tout ça, c'est des enjeux économiques majeurs pour notre compétitivité. Et là encore, on sait que le logiciel libre est très présent dans tout ce qui est outils de développement. Le logiciel libre, on le sait, c'est à l'heure actuelle, c'est à peu près la seule façon de sortir des produits qui ont un impact sur le marché. Alors un dernier thème qui est encore tout à fait émergent, donc on va juste en parler très rapidement, c'est l'informatique d'entreprise. Le logiciel libre, à l'heure actuelle, n'est pas encore vraiment associé à l'idée de logiciel de gestion, progiciel de gestion. Il y a un certain nombre de projets, mais ce n'est pas encore notre point fort. Et ce qu'on va essayer avec Systématique, c'est de développer cette thématique avec tous les acteurs, avec les acteurs du propriétaire et les acteurs du libre, et essayer de comprendre quels sont les enjeux de la recherche et de l'innovation dans ce secteur, de façon aussi à ce que la France dispose d'une industrie du logiciel, du logiciel d'entreprise, qui soit réellement au niveau de ses ambitions. Alors voilà, donc nous sommes un groupe de gens sympathiques, nous sommes ouverts, venez nous rejoindre. Pourquoi nous rejoindre ? Eh bien tout simplement pour proposer, participer à des projets d'innovation collaborative, pour échanger autour du logiciel libre et open source, pour avoir une visibilité plus grande, donc pour faire du business, en particulier à l'international, puisqu'on a des programmes de développement des PME à l'international, et puis plus généralement pour tirer parti du programme Ambition PME, très important pour nos PME du pôle Systématique. Voilà. Et donc en conclusion, je voudrais donc rappeler l'implication de Systématique sur l'organisation en partenariat avec Cap Digital, mais surtout le point, c'est que le contenu éditorial de cette conférence, c'est vous qui le faites, et ça, on y tient beaucoup. Mais on sera à vos côtés pour l'accompagnement, la continuité et le développement de cette conférence. Merci et bonne conférence.